Situation vient plus compliquée pour tout haïtien qui veut rentrer dans le pays Tonton Sam grâce avec programme parole que Joe Biden mettait sous pied 30 000 moun ka gen accès rentrer États-Unis chaque mois sous un programme si là Haïti c'est un nadan et bien chaque les gon privilège gen un petit avantage ou mettez c'est à tort population haïtienne là y a risqué vie gen vidéo ou pral saisir ouais comment haïtien a passé misère pour faire yon passeport et passeport dans pays d'Haïti li vin tourner un trésor dans pays d'Haïti m'rel bon toute image net parce que m'gagne ou là et puis tout faut me dire nous tous mes chers amis gagne un gros danger nan prend photo sur réseaux sociaux photo moun sur réseaux sociaux après on poste on moun quelconque li vin di ah ça son bandit même ou prend en tant que média pour si qu'il est le fait le véhiculer li pas bon ou ka fè du tort nan bagay si la. Mkon on ka, mbra l'explique ou li la nan kad émission sa, et bi fòm di nou tout, genyen la police nan peyi Tonton Sam, yo arrete yon haïtiano américain ki se yon faux avocat ki a servi avec faux titre sa depuis un bon bout de temps nan peyi États-Unis. Comment nou ye? Mwen souhaite que nou en forme, mwen souhaite que nap kenbe. Mes chers amis, Joe Biden met un programme sous pied et dans programme ça pays d'Haïti c'est youn nan bénéficiaire nan privilégié depuis après Joe Biden fin fait annonce à nan commencement l'année si là fòm dou devant DGI devant bureau d'immigration son tête chargé pour joindre on temp passeport nan DGI fò gen marine fò gen parine fò gen l'argent nan mon lòre si joun ni pour paraître nan bureau immigration pour dire bon pral coucher passeport li pas facile tellement gen moun devant bio malgré yo fait bagarre la kounia en ordre analphabétique malgré ça oui li pa li style toujours compliqué gen vidéo bon me permettre de regarder vidéo pour wè nan ki état moun a passé non bio immigration pour y al faire yon passeport lem di al faire passeport al coucher passeport après ça pour prendre rendez-vous même rendez-vous al pas facile non pour une passeport tellement bagarre compliqué oui bon permettre ou regarder et moi même par la suite m'a tourner parce que bagaille nous m'a pas bon anti cas grave en pile c'est aussi dans pays d'Haïti on a regardé OK, m'bansoré oui. Mais qui ça laisse pour dire l'on regarde vidéo aussi là. Moi m'gen en pile vidéo, m'gen là dans galerie, m'gen là dans appareil moi, m'a regardé dans question bye Biden ça, grand pile moun ki pa gen kè. Femme enceinte pa épanier, ti moun pa épanier, son question nager pour sortir. En pile moun a posé question bagay Biden ça là, c'est pour montrer en façon que vous voulez prendre pays même pas pral dans logique ça. Je vais faire gros commentaire ça parce que m'a dit nous dans moment là on pas aucune parole c'est pas qu'a dit bien pas dit mal on pas aucune gens on pral dit peuple haïtien priorité vivre dans pays d'Haïti gens li là mais malgré nous tout peuple calé ça calé yo dégager de la gacha ça qu'a prêté pour faire résistance là en rété ça c'est important m'a pas aucune parole m'a dit m'a passé pour plus bon vous comprenez bon m'a tout honnête gros ami là attendez bien dans programme Joe Biden dans mes chers amis ami un lui dit ah li pa gen moun ki bouffe le pou li nan pays Tonton Sam. Li écrit on moun ke loue sou TikTok kap di debou gen kote pou descend saintement. Ou met écrit la fil pou. Oh oh. C'est cause ak te long oui. Zanmi entre en contact avec toi. Li tout mette un message d'accueil. Debou écrit li dit si c'est pour quelque question Biden la fil pou ou a besoin $700 américain. Nan $700 500 l'el commencer processus là et les processus là prend fait avant même ou prend vol ou gain pour remettre pour fin balle $200 territoire a. Est-ce qu'on comprend ça qu'a fait dans journée aujourd'hui a même gon bagay qui clair pour me dire nous grand pile moun là qui gain famille gain ami qui gon allié dans pays Tonton Sam moun n'a pas voulu fil pour gratis on pour qui ça
parce que si l'allemand de cob l'a senti quête dont il j'en marre parce que yo kon gen honte parfois tout est-ce que vous comprenez mais Abdou mon cher process ça vraiment difficile n'est pas facile j'en comprendre là tandis que grand pile moun là qui a capable de qualifier pour rentrer dans pays tonton Sam et dans les journées aujourd'hui a gen quelques privilèges ou pas entrer pendant 8 mois toucher $400 ou bon petit cadeau cal manger avec les gens ou bien assistance médicale y a bon l'école ou bien cours anglais etc. Ou ap ga ou moun a chercher travail et ben temps en temps mes chers amis qui a bay privilège si la yo c'est temps en temps gen moun ka bon bout de parole ka vivre dans pays tonton ça moi m'a dit m'pa vrai nan rayi moun non mais processus là son facteur de chance et pas grand difficile là dedans pas grand rien d'ailleurs même capable dire même site côté pour inscrire de temps en temps y a sorti note y a dou pas m'a pas aucun moun ka dou bay l'argent. Parce que journée jodi a la gon paquet diaspora ka bay fami yo menti ka dou pa 40 fami yo. Tandis que mes chers amis yo là y a fil pour moun yo charge un petit cob et m'a fil pour ou sou bon ou bon sou pas bon tout dia. En tout cas bagala compliqué m'a seulement dit nous mes chers amis faut faire pile prudence parce que dans moment gen rakete qui déjà activé pour bay faux document pendant m'a parler des rakete faut tout ba nous information ça qui vraiment important intéressant gen la police américaine mes chers amis qui mettait main dans pas de cassav yon haïtien américain c'est-à-dire yon haïtien ou américain et bien tout ça selon information qui pote non Levelt François mais c'est arrêté par police Miami pour question usurpation de titre li fait être li passé pour un avocat depuis quelques années et ceci gen en pile moun ki victime en bas même mouchia l'a fonctionné sous titre avocat est-ce que comprendre et puis gen en pile et moun l'a manger l'argent bien l'état capable dire la police autorité américaine découvre que mouchia li même n'est pas avocat yo arrêté yo mettre des barreaux et m'a rappelé nous tout depuis semaine qui passe là dans Florida gon question de faux diplôme nes son prendre moun ki pa infirmier gen moun Napoléon ki yon bon ki indexé nan baga la on sait et Johnson Napoléon et se comprend ki a bay et moun diplôme infirmier pour 16000 17000 dollars yo arrêté dame ça et li risque pas son pile temps nan prison pour racket ça qu'il connait mais m'a dit ça l'on regarde bien même bon petit bagay qui vraiment important m'a ouvri parenthèse là m'a fermé tout de suite est-ce qu'on connaît c'est haïtien pas vle oué, haïtien pas réli avancé. Pi gros obstacle pays d'Haïti, c'est haïtien oui. Sorry si m'dou ça, mais son vérité. Imaginez n'importe côté là, n'importe barrière qui ouvri pour haïtien, pour pays d'Haïti qui n'ont qu'à privilégier habitant pays qui c'est haïtien ou joindre gilot haïtien qui campé en quoi qui empêcher haïtien ça lui-même pour ta passer s'il voulait passer. Tandis que passé haïtien, il pas retirer en un sou. Mais non, faut mettre en embuscade quand même, faut haïtien parler ou faut manger l'argent sous tête tout malgré programme là ou bien non et ça on mettait pour ou à chance au bol là ou bien privilège ou accord là, il pas gagne rien pour elle là-dedans. Et tout autant nous gagne même concept d'esprit, même idée ça, même comportement ça, ou saisir ouais pays d'Haïti va font pas quitta on pas nago. En pile là on va prier bon Dieu faire chaque matin faire réveil pour pays d'Haïti qui a changé. Ça pour mon Dieu fait pour nous on le fait déjà. Nous quitter grâce là, nous rater et liban nous à mettre prise pas j'aime prendre premier bagaille que mon Dieu ba nous comme grâce, lité ba nous opportunité pour nous être capable font changement dans la vie nous depuis 12 janvier 2010. Nous quitter ça passé, nous quitter 14 d'août passé, même dans question et Mika Ben là, tu es capable gagner on tête ensemble, on harmonisation, nous quitter le plus gros problème pays d'Haïti où cap passer toute ma Suisse et ma Suisse ça toute calamité ça yo. Nous avons un problème tête ensemble et puis point bas. Pas vraiment important, mes chers amis, pour nous parler. Nous disons dans le cadre de l'émission, dans le commencement de l'émission, je dis là, je reprends, ou même bien entendu, prêtez mes oreilles. Pas rentrer dans la logique partagée pour le monde. Au moins, où est-ce qu'on a publié l'image de l'Abdou, un tel gang, un tel lycée membre actif, base ceci, base cela. Pas rentrer là-dedans. Parce que, bagay sa li gen en pile ou ka fait du tort parce que gen moun lan réseaux sociaux son bagay son cadre qui élargi tout moun gen accès avec li de pou bon smartphone nan mais ou tendez bien oui et bien mes chers amis gen en pile moun ki gen un problème avec un moun quelconque pour le capable faire moun lan du tort bien pour le capable joindre avec moun qui gen problème lan li just prend image qui très facile et puis les kon bagay li dit bon tel moun ni c'est membre actif tel groupe gang. Moi même pas rentrer là-dedans parce que gon zanmi là m'a regardé son jeune Didier monsieur pote non Annie mais il fait et moi non Didier c'est Annie Mix
Monsieur fait qu'on est alors une image qui a circulé sur toutes les réseaux sociaux qui t'a fait quoi lycée membre actif base 5 secondes. Monsieur dit était dans 4e avenue programme ni comment activité c'est DJ c'est alloué dans divers programmes qui gagnent dans capitale là, les bagues en rien pour elle, pas aucun lien avec next 5 secondes. Est-ce que vous comprendre? Et monsieur presque crié, m'a dit bon peut-être on connaît grand peu monde qui gagne astis mais rentrer dans logique prend image moun a publié là on parle dedans d'ailleurs au son bail qui t'est passé pendant m'a dit on zanmi t'est partager information avec m et puis concernant type acte dit le fond cardiaque tandis que les mal gardé nan cause les mal gardé nan bagaille là c'est bagaille femme non cap négocier bagaille là mal passé et puis on prend femme là livrer sale image jeune garçon et puis sortant de là cause a fait en tout cas. Tout média qui attendent là, tout zanmi tout qui gon plateforme ou bien qui gen page yo pas publier pa moun, de ou pa gen information a clair. On va nous pa gen clair coup de coq, pas publier image moun k'ap di intel c'est gang, ou même la police n'en fait rien. On pas besoin de rien, on pas besoin de rien encore qui donc li vraiment important intéressant pour même ou faire en pile prudence nan jan de bagaille si là parce qu'il a vraiment important parce que nan moment Jean pays d'Haïti là, Léon moun yo la gen étiquette gang sous dos tandis que ou pas ça vrai. Mon cher son tâche banane qui prend non maillot blanc ou est-ce qu'elle va être l'aide m'a besoin de rien comment fait tout ça pour mettre bail celle l'oseille gars ti mon début pas contact celle et celle l'oseille là on met tes balles toute qualité bagaille on est ca tirer oui ca tirer tâche m'pas quoi ta chape ca sorti ça important intéressant ou dans même famille ak habitant commune Kafou qui était bloqué circulation surtout dans quartier Bouchette à côté policier a été habité Jean-Georges Blaise pour plus de détails. Belle dormi, on va qu'on puisse mal voyer, qui tout fait toujours vite payer, pour chaque, maman, je vais payer, mamie, je vais payer, je vais payer, je vais payer. Personne pas connaît qu'il est droit à suspendre coulé. Non, j'ai une famille policière qui jusqu'à présent continue à compter cadavres. Une fois ça, c'est policier, la belle jusqu'à, qui est affecté dans le commissariat d'Elma 33 qui disparaît depuis le journée lundi 13 janvier. C'est une fois même famille qui n'a pas joué de mots pour expliquer douleur. Et malgré toute démarche pour connaître ce qui passe, eh bien, pas de nouvelles. Sous trace policier, ça, comme un agent 3 qui sorti dans la 20e promotion PNH, là, d'après ça qui explique. Et qui outre la belle jusqu'à ta fête, est-ce que les vivants toujours? En tout cas, sorti la madame police disparaît là, privé sous l'autre proche famille, tout le monde a code dans le rein. Il va travailler, il est mal à travailler. Il est mal à 33. Oui, il est mal à 33. Il est affecté dans le commissariat. Depuis 2017, il a été sur le cahier. Et puis 2017-2018, agent 3, 20e promotion. Jusqu'à présent, on était contacté des CPJ. Dès que CPJ te prend rapport, non. Et puis, ils ont dit son cas d'enlèvement, l'Omega. Même dit à l'Omega. À l'Omega pour faire ça. Bon, moi, l'Omega dit des CPJ plus gros. Pour vous, l'Omega plus bas. Pas mal fait. Si son enlèvement, d'abord, je ne vais pas dire enlèvement, je ne vais pas dire. Enlèvement, son monde qui d'abord le travail, son moto, pour col. En attendant, brûlant policier ça qui a 45 années sous tête li a couru dans zone Taraz. Si c'est vrai, famille Rabel jusqu'à souhaite récupérer cadavre là pour enterrement. Ça fait déjà une vingtaine de policiers qui mourent dans condition tout le monde connaît. Côté personne, pas connaît qui côté au garde, face avec dernier événement qui a saccagé le pays, principalement phénomène insécurité qui était comme plus gros fléau jusqu'à maintenant. Pour qui ça, a tout fait examen, rete sel kok chante jusqu'à maintenant. Et pour qui ça, autorité pas bon ici, pour qu'on ait nécessité. Pour finir avec fléau ça, dans la force police là, bon gens moyen et qui leur a bien yon le traitement pour corps PNH là. C'est question de bon l'autre monde, principalement famille policière qui là encore pas caché sentiment. Policier a mouru comme chien. Yo traité comme chien. Yo pas de famille, c'est grand goût, yo grand goût qui fait alba et l'état vie pour yon ka manger. Chien mouru ça fait ça. Et c'est pas seulement moun sa yo qui a glonanji. Commune Kafou continue de lever en bas tension.
côté plusieurs quartiers barrés, surtout zone Bochette qui était bloquée après disparition nouveau policier ça qui semblait venir renforcer bataille agent PNH qui en collait dans la ria pour protester non seulement contre façon comme un radio a tombé mais tout protestataire continue à faire pression pour exiger plus bon traitement dans l'institution PNH là qui semblait prendre longtemps pour lever des filles. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un peu Jean-Georges Blaise, gagné madame Carmel Daniel Stanislas qui est même toujours à chercher corps Riken Stanislas Maril qui c'est un policier qui était disparaître dans opération la police tap mené 20 janvier passé à la zone Métivier d'ailleurs il était parlé à nous hier donc pour demander autorité au fait les joindre cadavre Maril souplé même Jacques petite Fili qui était également parlé pour dire yo t'a souhaité joindre cadavre papa yo corps papa pour yo capable au moins rendre un dernier hommage. Nous apprenons dans Delma 48 zone Musso hier vers zone 7h45 une machine qui t'a venu avec deux jeunes garçons et puis tiré au sous place mettait caoutchouc mettait du feu sous yo ça passait dans zone rue des Mésards tout près Delma 62 donc dans un ruelle qui presque en face primature là donc habitant en zone qui dit Zaksa yo pas qu'on répéter demander à autorité pour font genre pour capable venir lever reste cadavre des jeunes garçons ça yo dans zone rue des Mésards zone ça qui baille également sous Delma 62. L'autre information, opération Tornade 1, DG la police l'a été lancée pour qu'on fait sentir tout bon vrai. Alors, ce que Bandi yo même continue à marquer territoire, Joji plus 7, pas gain aucune attaque force spéciale qui fait même pour ta récupérer corps policier qui était tombé en babal Bandi, ça vient semaine passée. Et pendant temps, ça, Pétionville, gang vite l'homme n'a consigné défier la police. La police là elle a décidé de démolir commissariat Pernier et puis dans troisième circonscription Port-au-Prince là s'il a appelé menacé pour envahir Kafoufeye. Est-ce que Tornade 1 a vraiment combattre bandit tout bon vrai une question Josvarin va répondre dans un papier jour J plus 7 côte cadavre policier yo quand grand griffle a assassiné dans Moro. Côté PNH là, à coopération Tornade était annoncé pour mettre main dans gagan nèg examio. Alors que chef police la France LB te bay assurance, institution la dirige a t'apprend mettre pied la terre. Pendant gang yo même t'es déjà metté opération ça en bay preuve, dans augmenter action y a posé dans capitale là. Moins passé 24 heures temps après annonce chef la police haïtienne là, bandamé qui gère l'écrasé barrière qui gère en tête l'ifité l'homme, t'es mené une opération contre commissariat police Pernier. Vite l'homme démoli poste police à gros tracteur en basier autorité. Action s'est arrivée un titan après déclaration numéro 1 PNH à France LB qui tape essayer de rassurer la population sous vraie volonté institution langue pour combattre crime organisé tout partout dans le pays. Pendant temps ça, dans la troisième circonscription Port-au-Prince, il y a un gros bandit qui aurait été l'appli à faire menace terrible contre quartier Kafoufeye. Toute déclaration et action malveillante, ça, on a rappelé, il a fait une espace annonce qui relève opération Tornade 1. Bandi n'a pas tremblé devant PNH là, pas besoin d'y pour défendre opération qui potait non Tornade 1, qui semblait pour qu'on jamais démarrer. Gang Grand Griffe massacré 7 policiers dernièrement dans Moro, non seulement li enterré koyo, mais la poule les machines et puis servi à exam yo te gagné. Tornade 1 semble pour qu'on jamais joue une condition nécessaire pour affecter zone gang yo kap simé la terre dans le pays. Opération ça, c'est pas première initiative PNH là. Parce que l'autre chef la police avant yon te konge habitude lancer opération qui pote gros nom tant que Terminator 1 et Terminator 2 mais qui pas jamais rivé des populations ralé souffre ak bandit yo. Pendant temps ça, groupe armé a préparé pour prendre plus de territoire. Région métropolitaine Port-au-Prince menacé pour tomber en bas contrôle ka idio. Si l'État pas prend destin pays en main, dans un petit crasse encore, groupe armé a capable de mettre ensemble, mais fois ça, pour un projet qui est pire ambitieux, renverser tirer ce pouvoir et puis prendre tête ainsi sur l'État. Jos Varin, Caraïbes FM. Merci un peu, Jos Varin, Réseau National Cap Défendre Droit Mounio, RNDDH, fait qu'on est
quelques graines de changement qui fait dans la police là, pas prêt à le faire rien dans sa gueule à un phénomène gang dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Le directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance a déclaré problème à sécurité a de passer à travers une solution à la situation politique là. Défenseur droit moun a rappelé le gros chabrak dans le pouvoir qui continue à bailler gang au tété. Le comportement d'après M. Espérance qui expose les policiers au plus toujours. Le directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance, t'as répondu à une question, Micheline Alexis. Nous constatons qu'il y a des trois changements qui font dans la police. Bon, c'est où était ma joie qui estimait chaque monde ça que yo météo ou bien mon dieu changé qui ça a fait comme travail, etc. Et mon dieu mine avec eux qui ça a capable de mettre en termes d'expérience et monde qui est opérationnel. Cependant, et nous capables de dire la police a souffert un peu de leadership. Et la police a qui nous te connaît, enfin, il connaît plus. Et c'est son police qui est malade en pile, problème de leadership, dans haut état-major, un paquet de mauvais gens là-dedans, un paquet de monde dans la police qui n'a pas connu avec Bandi. Et nous venons voir que, par exemple, Bandi est plus puissant et dans les derniers 6 mois, et qui arrivait là, et ils ont parlé. Ils ont montré qu'ils ont une connivence avec la police. Ils ont dit tout, ils n'ont pas de problème de cartouche. Ils ont besoin de cartouche depuis la police avec cartouche et ils ont joint. Mais, de l'autre côté, il faut que nous reconnaissions les policiers et les conditions de travail. Ils sont son bagage tête chargée et ils n'ont pas d'équipement. Il n'y a pas de moyens et puis il n'y a pas de backup autorité politique. Et où il y a des gens qui sont très puissants dans le pouvoir, qui sont à côté du Premier ministre, et des gens qui sont des sénateurs ou des députés qui continuent, et après, ils prennent l'argent de trésor public à alimenter, et dans le par exemple, si on prend une institution, et dans le CAS, qui est assistance sociale, qui dépend des ministères affaires sociales, et en pile l'agence et passer à S ou à Jeune Gang, et c'est ça que vous voyez, il y a des gens qui sont occupés des fonctions en dans l'État et qui est impliqué dans le massacre et qui est fait dans sa ligne et d'autres massacres, et où elle je dis, est très puissant pour côté et pour voir ça là. Donc si c'est pas un changement de comportement au niveau de l'autorité politique pour mettre les soucis pays à gagner, pour mettre à la disposition institution, à la disposition population ici. Et si on continue à alimenter gang, c'est affaibli à passer la police, c'est affaibli à passer les acteurs dans la chaîne pénale. Il faut que nous reconnaissions l'État police à je ne vous dis pas, même surtout pour que la police tout ça en termes de moyens, sans un vetting parfait dans la police, eh bien, ça ne va pas changer rien. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème politique. Et il faut que le problème politique soit résolu d'abord et pour penser sur la question de sécurité. C'est la politique là qui mettait la police en Italie. Là, parce que nous jouons et nous avons un pouvoir qui continue à alimenter les gangs, à continuer à alimenter les bandits qui exposent les policiers. Et nous-mêmes dans RNDDH, nous documentons depuis Dr. Ariel prend le pouvoir pour y venir journée jeudi. Et là, nous avons compté semaine passée, nous avons dit 78, qu'on y a, ça fait 79 policiers qui mourent, qui année ça seulement. Et là, il y a année, moi janvier, qui a fini jeudi 31 janvier. Eh bien, nous avons déjà pour PPT 16 policiers qui mourent. Ouais. Donc, ça n'a pas d'autorité rien. Parce que notre gouvernance, il y a une gouvernance qui chita sous banalisation de la vie monde, sous gangsterisation du pays, et le monde qui a le pouvoir et dans le pays, il n'y a pas de population à gagner pour.
collectif défense police dit li pa gen gros l'espoir par rapport à un changement qu'a fait dans la police là à cause selon responsable organisation ça Antonal Mortimer problème insécurité lié à crise politique là défense droit moun kwè fòk politiciens yo prend responsabilité yo pour résoudre problème gang à gros âme fan foi k'ap simè dey nan mitan population an. Antonal Mortimer kwè tout li important pour autorité yo bay la police lan bon jan moyen k'ap permettre li fè travail li comme ça doit. Responsable collectif défense police là Antonal Mortimer t'a répondre question collaborateur nou Michli Alexis. Fè un changement commissaire dans le département ou bien dans section ou bien dans service dans la police là c'est ça va nous ordinaire. Ouais, ça va nous ordinaire dans direction générale police qu'on la va yo. Mais ça fait bon c'est juste une information. Et peu près une information passager, mais je veux dire là, comme on a fait face à un niveau criminalité exagéré, violence qui a fait cette population hein, de toutes sortes, et puis violation yo visé la police, les policiers, les principales cibles, les gangs, qui ont même vécu à aucun pays. Bon, tout le monde, tout citoyen a visé, obligé à créer, tout type pas, la police a fait. Bon, mais moi-même personnellement, si toutefois, bon côté gouvernement, je me dis, qui n'a pas de problème de sécurité, hein, qui lui-même lié à contexte politique là, je ne suis pas certain que nous n'avons pas de solution, même là, d'espérer chaque monde qui est policier, qui a une responsabilité en tant que pays, je dis en face à l'histoire, je dois se faire reconnaître pour améliorer les conditions sécuritaires paysans, mais je connais tout, la police n'a pas un grenage politique. En tant qu'engrenage politique, il manque des moyens pour être capable de faire service. On n'analyse pas, nous pensons que le gouvernement parle d'élection et la petite situation sécuritaire pays a détérioré pour pas une pièce de voix qui levait, qui va des élections de pays et qu'on s'en abrite dans le pays sans pas d'élection en toute illégitime, illégale. Donc c'est pour nous-mêmes ces questions ça pour nous analyser au fond. C'est des gens qui ont accord entre guillemets en septembre, qui est transformé ou bien qui est renforcé le 1er décembre, ils ont été dit pour pouvoir pour 36 mois. Bon certainement, mais ils ont déjà plus que 18 mois là-dedans, ils n'ont pas fait rien, donc ils n'ont pas été capables quand même de compléter 36 mois. Pour ça, ils n'ont pas des pièces d'intérêt pour organiser l'élection. Même là au niveau gouvernement, il y a discours, mais c'est Ariel qui fait, il était fixé modèle au 7 février 2024. Nous reprenons nos mots et nous devons faire pression pour mettre la sécurité dans le pays et organiser l'élection. Et c'est possible parce qu'un pays qui est démocratique n'est pas capable de fonctionner avec des dirigeants illégitimes. Pays, chaque jour, il y a brûlé en mouillon les militaires par euros, Monsaïo, il y a dirigé par des élus. Il est dirigé par des mouns qui sont dans des processus électoraux et transparents. D'ailleurs, je suis étonné d'entendre que les gouvernements haïtiens, parmi en cité dans l'Ouréa, qui m'ont dit Pérou pour dégager les élections. Ouais, parce que même yo là, ils n'ont pas même commencé à écrire dans l'élection. Oh, ils ont demandé Pérou quand même qui est bon gouvernement. Bien, il y a tant de paroles, l'élection parlée dans Washington, dans New York, il y a tant de quoi son bon bagage. Si vous croyez son bon bagage, je dis à même, il doit y a une nécessité, il y a une initiative qui prend bon côté chef gouvernement pour faire un accord politique sérieux et qui est capable de permettre d'aller dans l'élection en tant qu'il n'est pas trop long, pendant la responsabilité pour la police moyen pour quitter le concept de l'attitude pour mener l'opération contre bandit. Et là, je parle de bandits qui ont un gros abnamé. Je vais dire à sa patio, mais bandit à quoi YouTube qui est dans le gouvernement, des proches du gouvernement. Nous pensons qu'il faut la police traîner vers la justice pour juger ou ça qui gagne des suspicions et crimes sous tête, crimes financiers, crimes décents, ou bien des corruptions, ou bien trahir la patrie, des menaces trahir la patrie. Donc nous pensons que le même tout, il faut qu'il y ait une bonne question à la justice. L'autre information, sur un total 1824 étrangers qui sont en prison sous territoire voisin,
1465 c'est haïtien d'après un article qui publié dans journal dominicain Listine Diario. Yon situation qui préoccupé groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo gar qui révélé ressortissant haïtien qui yo victime souvent zak discrimination ak mauvais traitement. Majorité détenus qui nan prison yo innocent d'après gar qui précisé zak discrimination ak mauvais traitement yo continue même en dedans prison yo. Li invité autorité haïtienne yo visité ressortissant haïtien yo nan prison République Dominicaine. Plus précision ak Sam Guillaume, responsable communication gar, li t'a répondre question collaborateur nou Peterson Luxama. Parmi 1465 détenus haïtiens ça, gagné 1265 qui s'est d'être prévenu et gagné 447 qui condamné. En situation comme ça, nous devons d'abord essayer d'expliquer pour le fait que il y a plus haïtiens qui vivent en République Dominicaine que n'importe quelle autre nation. Mais les n'ont gardé écart qui gagné par rapport à pourcentage d'haïtiens qui incarcérés par rapport à quantité haïtiens qui vivent en République Dominicaine, à pourcentage n'importe quelle autre nation par rapport à ressortissant nation ça en République Dominicaine, nous rendons compte d'un écart qui pas normal et qui demande une explication en profondeur. Explication ça, nous gardons ni de préférence dans le traitement que haïtien yo a connaît chaque jour en République Dominicaine. Nous avons dit haut et fort que discrimination, xénophobie, racisme que haïtien yo a connaît chaque jour en République Dominicaine, à la base, quantité exagérée haïtien qui est retrouvé dans la prison dominicaine. Nous connaissons que qui c'est civil dominicain, qui c'est autorité dominicaine, ils ont toujours maltraité haïtien. Ce qui fait que souvent trouver dans situation côté que en altercation avec dominicain. Malheureusement, ajouté avec tout mauvais traitement qu'il a subi, bon barrière linguistique qui fait au final, il y a des chailles qui tombent sous épaules yo que pas qu'à défendre yo et yo malheureusement pour le retrouver yo enfermé en prison. Souvent trouver dans des situations côté que longe de yo pour des bagailles qui ont pas fait du tout et au final yo à la prison pour grand merci. Et malheureusement, discrimination, racisme, xénophobie qui dans la ria n'est pas arrêté dans la ria, il est en prison en tout lien dans prison. Les n'a regardé qui quantité haïtien qui en détention provisoire, nous obligé comme si à chercher qu'on est ça fait ça. Et bien détention provisoire ou là-dedans en République Dominicaine, dans son haïtien, ou par contre pour combien de temps là ou là, ou par contre pour qui sont là et ou par contre pour combien de temps là. Ou qu'a fait 5 ans là, ou qu'a fait 7 ans là, ou qu'a fait 10 ans là. Et le fait que haïtien ont pile là des barrières linguistiques, on va parler espagnol, qu'on y ait procès ou qu'a fait, yo pas gagné traducteur pour aider eux participer dans le procès de façon juste. Non, c'est ça, on a demandé pour que l'autorité dominicaine soit capable de gagner une attention soutenue par rapport à la catégorie Mounsayo, par rapport à Haïtien Sao qui est incarcéré, fermé dans la prison dominicaine de manière injuste, en pile fois, pour que nous soyons capables de permettre Mounsayo un traitement qui est juste. On a demandé aux autorités haïtiennes pour être capable de sortir dans le silence, aller dans la prison, aller visiter les détenus haïtiens, garder dans quelles conditions ils vivent et puis faire pression pour être capable de respecter le droit. 465 haïtiens sur un total 1824 étrangers qui sont en prison en République dominicaine. Selon ça, il y a un article qui est publié dans le journal dominicain. Les Sindialo cité une situation qui est préoccupée pour cap appuyer rapatrier réfugié au gare qui révélait les sortissants haïtiens sont aux victimes souvent zak discrimination avec mauvais traitement. Information qui vient pour être toujours à République dominicaine, j'ai noté annoncé la titio depuis un certain temps en raison problème matissant gain un nouveau circuit qui créé pour haïtiens qui vivent à l'étranger mais qui sorti dans grand pays a choisi passer par un sapit sur tout ça qui venait Pédernal en République Dominicaine pour être capable d'entrer, vinoué, famille. Et ce constat nous fait avec Patrick Robasson, qui c'est président, ancien commission parlementaire pour développement zone frontalier. Monsieur Robasson, bonjour. Bonjour, 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 Renel, bonjour, Guerrier, bonjour. Et tout le collaborateur qui est avec nous, surtout Johnny Ferdinand et Lydia Alexandre. Donc, ce n'est pas un secret pour personne et par rapport à quelle situation qui rend que Matissan
coupé ou bien Port-au-Prince coupé avec Respeya en pile et zone pour moun yo aller yo vinn joindre de nouvelles routes mais c'est pas de route qui habilité et il connaît une route en sapit tu là t'es toujours là et c'est une route qui est très impraticable mais pourtant ou après nous les vignes tournaient en destination je dis à pour un pile d'un haïtien qui sorti d'un grand sud pays qui a vécu à l'étranger donc passer par route ça c'est ça que tu as essayé de montrer nous bon oui donc j'en dis là c'est concerné naturellement depuis au Paris haïtien est toujours contre fait mais d'accord haïtien qui est dans une zone presque qui habitait dans une zone frontalière, il était toujours connu faire le passant de Domingo, République Dominicaine. Mais vu que Mdagadou est Martissan, et le grand sud, ça c'est venu bloquer net par rapport à Martissan avec Taraz, et nous-mêmes là, non, partie dans l'Ouest là, par quoi des bouquets tout bloqués par l'Ambre sans jour. Ce qui veut dire que là, tout le monde presque en général, qui sont dans le grand sud là, et même partie dans l'Ouest là, donc les Ougan Carrefour, on y a là, ils sont obligés de passer par la République Dominicaine. Mm-hmm. Par la République Dominicaine, ils descendent à Santo Domingo, à l'aéroport de Las Américas, et ils prennent un bus, ils descendent directement en Sapit, Pédernal. Mm-hmm. Allô? Oui, madame. Ils descendent Pédernal, malgré, je dis là, malgré la route là, route qui mène par Jacmel là, qui sont de 153 km, qui sont vraiment impraticable, mais ils sont obligés de faire. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas eu le choix. Oui, mais ce n'est pas seulement pour le monde qui a voyagé, c'est pour le monde qui a fait commerce, business, tout. Donc, il est plus facile pour l'IA pour aller Saint-Domingue, pour aller acheter produits et qu'on a acheté Port-au-Prince. Exactement. Quand il y a là, tout, il y a un grand centre commercial, un grand centre commercial, parce que tout grand sud là, et le monde qui est habitué à acheter Saint-Domingue, à passer par Jimani ou bien par d'autres zones, obligé qu'il y a là. Parce qu'il vient dans le chapitre. Qui fait que de cela, on vient sentir une sorte de bagado, un essor économique, l'argent qui a brassé dans la frontière-là, par rapport avec tout le monde dans le Grand Sud, Jérémy, Caille du Faux, Caille, Tigouave, Grand Guave, Carrefour, Léogane, tout le monde, ça, passe par Jacmel, le propre bateau, le propre machine. Yo, vina sa, puis vina sa, la frontière là. Donc, Dominique, yo, c'est le principal bénéficiaire, et Krisa, et député Robasson. Mais qui sort dit de l'idée qui a dégagé, comme quoi Dominique, yo, a intérêt même dans la situation ça. Moi, j'ai un article qu'on frère sorti semaine ça sur les réseaux sociaux, côté, il parlait d'informations, il y a.